Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Au menu aujourd'hui, une partie entre des mercenaires et des trolls. Petite nouveauté, ce coup-ci c'est moi qui vais jouer troll. J'ai eu envie de changer un petit peu de War Machine, donc je vais faire quelques parties en troll comme ça de temps en temps. J'ai acheté quelques figurines d'occasion et je vais en profiter pour monter une petite force troll. Vu que je commence juste les trolls, ça va être ma deuxième partie seulement, il y aura quelques proxys, je suis désolé pour ça. Donc on va avoir Brine qui va être un Earthborn, le Carnivian ça va être un Mauleur, et le Caster c'est par Ragnor, c'est Grissel. C'est tout ce qu'il va y avoir comme proxy de mémoire. En face de moi, je vais avoir Richie qui va jouer Ouzhroom, lui en proxy, il y aura la Battle Engine, Cador qui sera la Battle Engine. Si vous voulez un peu plus de détails sur mes listes et ainsi de suite, je vous conseille de cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description de la vidéo. J'ai gagné le jet pour commencer. Non, c'est Richie qui a gagné le jet. Il voulait pas me laisser la sympathique tranchée qui est de son côté. Donc il a pris ce côté-là. Moi, je suis de l'autre côté. La partie va pas être évidente pour Grissel, je pense. Ça va être un jeu d'attrition. J'ai pas de quoi tomber son Colosse et sa Battle Engine. Un des deux, ça doit être possible. Les deux, ça va demander trop de ressources. Donc on est parti pour un jeu d'attrition et je vais essayer de marquer un maximum de points au début de la partie, en l'engluant très très haut, et de tenir les 7 tours, histoire de l'emporter au scénario. Richie, lui, pour son premier tour, bah pareil, il va faire courir tout le monde. Le Colosse va recevoir Snipe, la Battle Engine va recevoir Fire for Effect. Le Colosse va essayer de faire quelques dégâts, alors ça tombe bien, j'ai un Fenblade à portée, il va réussir à le tuer, et moi j'en suis ravi, parce que ça va déclencher la vengeance de ma première unité de Fenblade. Ça va me permettre d'aller vers lui encore plus vite à mon tour 2. Début de mon tour 2, j'avance donc de 3 pas les Fenblade de ma première unité, celle qui n'a pas d'UA. Normalement, je devrais les faire courir pour aller faire tampon avec la ligne naine, mais là je vois que j'en ai pas mal de Fenblade en fait qui sont à portée de charge, et je peux en rajouter en lançant du... Ah, j'ai oublié le sort de Grissel. C'est Rush, c'est pas Rush, c'est Boundless Charge, voilà. Donc j'ai mon Runbearer qui va lancer Boundless Charge sur un des Fenblade. J'ai Grissel qui va lancer aussi Boundless Charge sur deux Fenblade. Donc j'ai trois Fenblade qui vont charger très loin, qui vont pouvoir aller voir les trolls. Grissel a claqué son feat. Donc le feat est pas top, mais il peut être utile quand même. Je peux lancer plusieurs Fel'Cul sur mes unités. Donc les Fenblade qui ont chargé là, au final ils ont plus une attaque ou feat. Et je crois que c'est plus 2 en maths grâce au Fel'Cul. Donc ce qui fait que mes gars avec deux attaques plus une de charge vont pouvoir faire assez mal. Et ou feat à la fin de la partie, vous allez voir, ça va leur permettre de s'enfoncer encore plus dans les lignes mêmes. J'avance mon Earthborn à 2 pas du drapeau. En fait, là, ce que je veux faire, donc il a une bonne défense, hein, grâce à l'eau, il est défense 14, armure 22 sous la pierre. Ce que je veux faire en fait, c'est que la BE lui tire dessus et je vais pouvoir popper un whelp qui ira sur le drapeau et qui me permettra de scorer. Ma deuxième unité de Fenblade, je l'ai mis en deuxième couche. Elle est prête à charger au prochain tour. Normalement, elle devrait recevoir aussi plus une attaque et vu qu'elle a l'UA, elle a cleave, ça devrait permettre de nettoyer les nains. Alors, nettoyer les nains, c'est un peu plus long que prévu parce que la Battle Engine fait repopper un des trois nains. Donc là, il y en a trois. C'est vraiment très sympa. Cette Battle Engine naine, elle est vraiment très très bien avec les tirs, deux tirs qui stagger, le périscope qui enlève le stealth, plus la récursion, c'est vraiment une très bonne Battle Engine. En plus, elle a 40 points de vie. Donc ce tour-ci, Richie va se concentrer sur les Fenblade qui sont en contact. Osroom va aussi lancer son feat, ce qui fait que tout le monde va monter. Alors pour l'infanterie, ils vont monter à armure 21 s'ils sont socle à socle. Le Colosse et la Battle Engine sont armure 23, donc autant dire que je vais rien faire, enfin, je vais rien faire en dégâts. Le Slack Troll tout en haut que j'avais approché du drapeau, je comptais aussi prendre quelques dégâts pour faire popper un whelp et aller au contact du drapeau. Malheureusement, j'avais oublié le plus 3 en mouvement et Pathfinder, je l'ai pas pris en compte, qu'apporte le feat d'Osroom.
Donc il y a trois nains qui ont pu marcher pour aller à mon contact, parce que normalement j'étais dans la forêt, ils ne me voyaient pas, et ils m'ont tué mon slack troll au corps à corps et pas au tir, ce qui fait que le whelp, alors déjà j'ai perdu le slack, ça j'aurais pas dû le faire, et le whelp qui a popé, bah, c'est bien, il est au contact du drapeau, mais il y a trois nains qui contestent. Donc c'est pas super intéressant. Là clairement j'ai perdu le slag un peu bêtement. Donc autrement la Battle Engine tire, elle fait plein de dégâts, les nains au corps à corps massacrent aussi des Fenblades. Voilà, l'attrition fait très mal. Comme prévu par contre l'Earthborn s'est pris quelques patates, donc ça a permis de faire popper un Whelp qui a été sur le drapeau, donc vu que c'est un solo je vais pouvoir marquer un point dès ce tour-ci. Ça va me donner une petite avance. À la fin du tour de Richie, je note qu'il fait une petite erreur. Il conteste pas la zone centrale. Donc ça veut dire qu'au prochain tour, si je détruis l'objectif, je vais pouvoir marquer 2 points. Destruction de l'objectif plus contrôle de la zone centrale. J'ai le web qui est sur le drapeau. Donc du bas, donc ça fait 3 points. Et il n'y a que 3 nains qui sont au contact du drapeau du haut, où j'ai toujours mon whelp, qui est un reste de slack troll. Si jamais j'ai réussi à nettoyer ces 3 nains, je gagne la partie au scénario. Donc je commence par envoyer le mauleur. Le mauleur va faire du petit bois des 3 nains, même avec leur armure 21, ça ne change rien. Ensuite, je vais activer Grissel pour booster un petit peu, mettre une boule de charge à l'Earthborn pour aller sur l'objectif. Alors là, je crois que j'ai fait une erreur parce que le Mauler n'était plus dans ma zone de contrôle, donc j'ai pas lancé Rage. Il faudrait que je vérifie si je pouvais lancer Rage ou pas quand même. C'est pas grave, l'objectif tombe et c'est une victoire 5-0 au scénario. Vu qu'on avait du temps, on fait un petit take back. On considère que Richie n'a pas oublié de bouger sa petite poule le tour d'avant, et qu'il a tué mon whelp. Ce qui fait que là, je vais pas pouvoir faire mon petit blitz et gagner au scénario sur un malentendu. Le scénario reste quand même ma meilleure option, donc il va falloir que j'essaye de marquer le plus de points possible, mais cette fois-ci, je peux plus envoyer des pièces au sacrifice. Le drapeau du haut, par exemple, je vais pas envoyer le mauleur. Si je l'envoie là-bas, je vais tuer les nains, mais je pourrais pas avoir la poule, et le mauleur va se faire tuer par tous les petits nains qui attendent derrière les trois qui sont près du drapeau. Pareil, l'Earthborn, je peux pas l'envoyer sur l'objectif, puisque sinon il va se faire tuer le tour prochain. Si je permets de lourd, ça va faire trop mal. Donc ce que je vais faire, je vais déjà envoyer les Fineblade, nettoyer du Forge Guard et faire quelques dégâts en charge à l'objectif. Grâce à Cleave, je vais aussi pouvoir, et l'attaque supplémentaire donnée par Grissel, je vais aussi pouvoir détruire une artillerie. Grissel, elle, a donné Boundless Charge à l'Axeur. Le Mauleur, lui, il arrive derrière pour lui donner rage. L'Axeur va pouvoir charger l'objectif. J'espérais le détruire pour marquer 3 points ce tour-ci, mais l'objectif va rester à 2 points de vie. Donc finalement, je marquerai qu'un point grâce au drapeau qui est tout en bas. Et je passe la main à Richie. Richie, son objectif, ça va être de continuer l'attrition, parce qu'il est bien là-dessus. Les Fenblade, ok, ça fait mal quand ça arrive. Par contre, ça encaisse rien, mais absolument rien du tout avec leur Dev 12 et leur armure 14. Et j'ai beau tuer des Forge Guards, ils reviennent en partie grâce à la Battle Engine. Donc il continue l'attrition et il va aussi s'occuper des drapeaux et de la zone, venir la contester, la zone centrale, pour éviter que je prenne trop l'avantage au scénario avant qu'il puisse marquer lui. On a donc le Whelp qui est sur le drapeau, qui meurt dans d'atroces souffrances suite au tir de la BE. Il va tirer sur l'Earthborn, il va réussir à le mettre stagger. Donc j'ai pas d'attaque initiale, ce qui fait que l'Earthborn va pas pouvoir charger l'objectif. Il tue des Fenblade à l'appel avec les Forge Guards, les tirs annexes de la Battle Engine. Le Colosse de mémoire va s'y mettre aussi un petit peu. Au final, il va me rester rien, j'ai plus d'Axeur. Et il y a 7 ou 8 nains qui vont venir en pack contester la zone centrale. Alors ça, c'est un boulot pour Grissel. Là, je vois une opportunité de terminer au scénario. Je peux marquer 2 points assez facilement. Je peux faire courir le Fel'Color au niveau du drapeau du bas, ça c'est fait, ça me fait 1 point. L'objectif, je peux le détruire avec les 2 Fenblade qui me restent et qui, avec leur vengeance, vont pouvoir le charger. Et j'ai un paquet de 7 ou 8 nains à tuer. L'avantage, c'est que Grissel a un souffle et que j'ai le Runebearer qui va pouvoir lancer un rift aussi.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer Grissel. Je vais commencer par lancer Calamity sur les nains. Donc ils ont moins 2 en def, moins 2 en armure. Armure 8, def 16, c'est beaucoup plus facile à tuer. Je fais un petit spray avec Grissel. Ensuite, j'envoie les Fenblades qui détruisent l'objet et qui, grâce à Cleave, peuvent s'occuper des nains restants. J'ai même pas besoin d'activer le Rune Bearer. Et ça va être la fin de la partie. Je marque 3 points et ça va faire 5-0 au scénario. L'erreur de Richie, ce tour-ci, ça a été de pas avancer le colosse. Il s'est trop concentré sur l'attrition avec le colosse. Si le colosse avait eu un pied dans la zone, je marquais que 2 points. Destruction d'objectif et prise du drapeau. Bon, j'étais quand même à 4. Mais il allait pouvoir essayer de contester le drapeau et ainsi de suite. En fait, ce que j'ai noté pour le SR 2017, c'est qu'il y a pas mal de monde qui se sont dit au début, c'était un bruit qui courait, le scénario c'est mort, on gagnera plus jamais au scénario, ainsi de suite. En fait, c'est totalement faux. Le SR 2017, le Steamroller 2017, pardon, ce qui permet, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de chaos au scénar, ou beaucoup moins facilement qu'avec le précédent Steamroller. Donc quand on a un casteur de contrôle, style LA2, ou ainsi de suite, qui arrive et qui fit, on sait qu'on va pas forcément perdre au prochain tour. On peut temporiser un tour. Par contre, c'est juste temporiser. Si on laisse l'adversaire prendre trop d'avance au scénario, on se fera avoir pareil. Idem, il faut pas oublier que la partie maintenant n'a que 7 tours. Donc oui, on peut laisser l'adversaire prendre de l'avance au scénario. Par contre, s'il prend trop d'avance et si on arrive, si elle arrive à délayer la partie, à la faire durer en longueur, bah, si on arrive au 7ème tour, même si on a rasé son armée, suffit qu'il ait un point d'avance en plus et on perd au scénario. Donc voilà, c'était juste un petit aparté pour vous dire qu'en SR 2017, oui, on peut être plus permissif avec le scénario, on peut permettre à l'adversaire de prendre plus de points. Par contre, il faut jamais oublier que la majorité des victoires ou des défaites, ce sera toujours au scénario. Donc il faut toujours bien surveiller cet aspect. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Moi, troll, ça m'amuse. Je pense que je vais faire d'autres vidéos. J'essaierai peut-être de faire des vidéos un peu plus fluff, un peu plus historiques. Je vais voir si j'arrive à trouver ce que je veux. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Prenez soin de vous, jouez bien, et je vous dis à très bientôt.